Salut la machine, t'es encore au top? On continue dans ce thème de seconde, enjeux planétaires contemporains, agro-systèmes et développement durable. Nous allons cette fois voir les caractéristiques des sols et faire le lien avec la production de biomasse. Vous êtes prêts? C'est parti! Deuxième partie de cette vidéo, les caractéristiques des sols en lien avec la production de biomasse. Écosystème, agro-système, on l'a vu, les agro-systèmes exploitent au mieux la surface cultivable. On a une densité maximale d'individus au mètre carré. Mais quelle est la structure d'un sol? Comment se forme-t-il? Pour voir la structure d'un sol, faut donc creuser. Alors, bien sûr, à moins que vous soyez en train de construire une maison avec des super méga fondations, c'est pas évident, vous allez me dire, de voir la structure d'un sol. Bah, c'est pour ça qu'on travaille sur photo. Alors ici, vous avez une couche où on repère facilement une roche qui est à l'origine du sol. C'est ce qu'on appelle la roche-mère, puisqu'elle est à l'origine du sol, on l'appelle R. Au-dessus, vous avez une couche de roche-mère qui semble dégradée. C'est ce qu'on appelle la couche C du sol, roche-mère altérée. Au-dessus, on va distinguer une couche riche en matière minérale. Donc en réalité, on ne parle pas de couche, mais d'horizon. Donc ici, on a un horizon riche en matière minérale. Et vous l'aurez compris certainement, vu la quantité importante de végétaux, au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'horizon A. C'est un horizon riche en matière organique qui lui-même est constitué de deux parties. La partie supérieure qu'on appelle la litière, qui va correspondre à l'ensemble des débris, c'est-à-dire les feuilles mortes, les cadavres, enfin bref, tout ce qui tombe. Et puis dessous, une couche très riche en matière organique, très foncée, assez noire, qu'on appelle l'humus. On peut se demander comment s'est formé le sol. Eh bien, à partir de la roche-mère. On a de la roche-mère qui va s'altérer. S'altérer à cause de quoi? À cause de l'eau de pluie. Cette eau de pluie s'infiltre, elle attaque les minéraux, elle les transforme en argile. Et ce qui va désolidariser la roche-mère. C'est ce qui s'est passé par exemple pour ce granit. Là, on a un granit sain, c'est de la roche-mère. Et au-dessus de lui, dans la coupe du sol, vous voyez un granit altéré. Bon, bah ouais, il n'a pas la même tronche, hein. Mais lui, il est complètement abîmé. Certains minéraux ont été transformés en argile sous l'action de l'eau, ce qui fait que ce granit altéré va finir par se briser en petits morceaux jusqu'à donner même du sable qu'on appelle une arène granitique. Donc, en voici un échantillon. Donc, roche-mère altérée. Et roche-mère complètement détruite. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas que l'eau de pluie. Mais non, il y a aussi effectivement les êtres vivants du sol qui vont jouer au niveau de la couche de la litière. Ils vont se nourrir de tous les êtres vivants morts qui sont tombés, donc les feuilles, les cadavres, etc. Ils vont les décomposer pour les fragmenter en petits morceaux pour créer la couche d'humus. Et donc, à la rencontre de l'humus et de la roche-mère altérée, nous allons avoir un horizon riche en matière minérale, qui aura tendance à s'enrichir dans cette zone-là en matière organique. Vous l'aurez compris, c'est donc à la frontière entre l'humus et l'horizon riche en matière minérale que les plantes que l'on va cultiver vont principalement récupérer la matière dont elles ont besoin pour vivre et produire de la biomasse. Travaillons à identifier quelques animaux du sol. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une clé de détermination. On la lit de la gauche vers la droite et à chaque embranchement, on nous propose des caractères. Il suffit de regarder l'animal et de choisir le bon chemin jusqu'à trouver le groupe auquel il appartient. Donc, animal récolté dans le sol ou à sa surface. Est-ce qu'il a des pattes articulées ou est-ce qu'il a des pattes réduites, quatre paires, articulations non visibles ou est-ce qu'il n'a pas du tout de pattes articulées? Eh bien, dans notre cas, des pattes articulées. Si on compte bien, il y en a trois paires de pattes. Ensuite, est-ce qu'il a des ailes ou est-ce qu'il n'a pas d'ailes? Eh bien, cet animal-là, on l'observe tel quel, il n'a pas d'ailes, mais il faut savoir que c'est un animal qui en possède, mais qui les perd. Et oui, effectivement, les femelles, des reines précisément, qui vont donc s'envoler pour quitter le nid et fonder une nouvelle colonie, ont des ailes. Donc nous sommes ici dans le cas des insectes. C'est une fourmi. Et celui-là? Alors, on distingue des pattes articulées, même si ce n'est pas très évident. Il a quatre paires de pattes. Est-ce qu'il a des pinces? Non. On est donc ici, absence de pinces. Est-ce qu'il a un corps en deux parties reliées par un fin pédoncule ou est-ce qu'il a un corps en une seule partie? Vous voyez qu'il est massif, c'est un corps en une seule partie. Est-ce qu'il a des pattes longues et fines ou des pattes courtes? Il a des pattes courtes, c'est un acarien. Donc globalement, dans les décomposeurs, en fonction de la taille des décomposeurs, on va distinguer ce qu'on appelle la macrofaune. Macro veut dire gros, hein. On voit, c'est une faune qui est visible à l'œil nu. La microfaune, visible au microscope, les champignons microscopiques et les bactéries. Et chacun va avoir un régime alimentaire particulier, ce qui fait qu'il va avoir une fonction différente. La macrofaune, la microfaune ont pour but de fragmenter la matière organique. Ça va permettre ensuite aux champignons et aux bactéries
de mieux la digérer. Ainsi, l'action combinée de tous ces êtres vivants va permettre la transformation de la matière organique en matière minérale.